Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va. On a la solitude, le silence. On a une personne qui s'isole ici. Une personne en réalité, vous voyez, qui est tout simplement, vous voyez, en train de se demander. Est-ce que vraiment votre relation, elle pourrait durer dans le temps? Est-ce que réellement tous les deux, vous pourriez construire peut-être une famille? On a une personne qui bute sur cette question. Une personne, vous voyez, qui... Ah, mais je ne peux pas venir te demander ça en réalité. Alors, je ne peux pas te dire que c'est un peu ce qui me travaille ces temps-ci. Et on a la personne qui s'isole, tu vois, et qui ne parle pas, qui ne communique pas avec toi. Donc ça veut dire que tu es en relation avec une personne qui ne partage pas ses peurs, ses doutes et ses hésitations. Tu sais, c'est la personne qui veut se montrer droite en face de toi. La personne qui veut te montrer en réalité que non, moi je doute pas, hein, je suis sûre, hein, je suis vraiment sûre de moi. Alors que pas du tout. On a tout simplement, vous voyez, l'impression pour certains que c'est une situation où déjà on n'était pas parti pour se poser toutes ces questions-ci. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous êtes parti dans une situation en vous disant, écoute, on flirte, on voit. Puisqu'on a vraiment cette impression, vous voyez, que assez rapidement, votre relation, elle a pris une dynamique de que ça sera un truc peut-être qui ne durera pas des masses. Peut-être même pour certains, vous vous êtes mis d'accord. Sur le côté, en réalité, on a une relation, mais on échange, on discute, on peut passer du temps ensemble, mais il ne se passe rien du tout, hein. Ça s'arrête là. Vous vous êtes mis d'accord pour ça? Ça a pris une tournure genre, on veut plus que ça, mais vous êtes mis d'accord pour certains pour que ça n'aille pas plus loin que ça. Et c'est la personne qui comprend que, attends, peut-être on a dit ça, mais on n'est pas obligé de rester à fonctionner comme ça tout le temps. Peut-être c'est vrai, on avait dit que ça n'était pas censé durer, mais peut-être on peut basculer dans quelque chose d'un peu plus sérieux. Alors ça veut dire que vous êtes parti pour ne pas vous engager. Vous êtes parti pour tout simplement parler, échanger. Pour moi, on était clairement, tu vois, comme dans du flirt, mais tout simplement parce que c'est la personne en face de toi qui avait des résistances, hein. C'est la personne en face de toi qui n'a pas voulu y aller, hein. C'est la personne qui a dit, attends, attends, on va pas brûler les étapes, hein. Puisque c'est une personne qui a eu le cœur brisé d'une relation avant. Donc c'est comme si elle était venue en mode, moi je viens voir seulement, tu vois. Moi je viens voir, je veux juste parler, échanger, discuter avec quelqu'un. C'est comme la personne qui est venue en ta direction, genre, je veux me rassurer, tu vois. Voir si j'ai encore un certain pouvoir de séduction, voir si j'ai encore la possibilité de séduire quelqu'un. C'était pas prévu hein, qu'on s'aime. C'était pas prévu non plus, tu vois, qu'on décide d'aller plus loin. Et aujourd'hui, je suis en train de me demander si on pourrait vraiment construire une famille. Donc, ça veut dire, peut-être j'ai des problèmes dans ma tête. Pourquoi je pense à ça, tu vois? Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit là. Je ne sais pas comment vous vous êtes mis d'accord dans votre truc, mais on a une personne de l'autre côté qui commence à ne pas trop être d'accord avec la dynamique que prend les choses là. Parce que en réalité, si on continue à avancer comme ça, on n'ira nulle part. Alors que là, je me sens beaucoup plus sur mes appuis. J'ai plus vraiment le cœur brisé. Pourquoi on devrait freiner? Pourquoi on devrait attendre? Pourquoi on devrait, tu vois, s'empêcher de faire des choses? Donc il y avait bien une personne, mais c'était dans sa tête ou dans son cœur.
Alors c'est pour ça qu'elle est venue en mode non prise de tête, on passe juste du temps ensemble, on fait connaissance, viens, on se change des messages, voilà, on peut se titiller, mais pas plus, quoi. Bon, si vous voulez, hein. Si oui. On va regarder ça parce que c'est plus d'actualité. Enfin, c'est la personne en réalité qui se demande en ce moment, bon, est-ce que je saute le pas ou est-ce que tu vas décider toi de me choisir, quoi? Est-ce que je décide de mettre les pieds dans le plat ou est-ce que tu finiras par venir me dire, Bernard, bon, il faut qu'on aille plus loin, Bernadette, bouge-toi, puisque je commence à m'impatienter. L'état d'esprit de la personne change puisque la personne bascule en mode, bon, est-ce qu'on peut vraiment avoir une chance? Est-ce que ça pourrait durer combien de temps? Hein? Ça change petit à petit. Hein? Alors peut-être ça fait pas longtemps que vous la connaissez. Hein? Les balances des scorpions et des sagittaires. Oui, non, moi j'étais pas partie pour aimer quelqu'un. Et pourtant, c'est quand même une personne qui a réalisé que. Enfin, c'est la personne lucide, tu vois, c'est la personne qui se voile pas la face, c'est la personne qui se dit tout simplement, tu vois la dynamique qu'on est en train de prendre là? Peut-être on va tomber dans ça avant la fin de l'été, on sera amoureux, hein? En fait, c'est ce que la personne elle réalise. Et c'est pour ça que la personne, tu vois, elle ne te partage pas les choses. Puisqu'en réalité, attends, comment toi tu vas le prendre si je commence à te partager les choses? Et puis si je commence à te dire en réalité ce qui se passe vraiment dans ma tête, est-ce que toi tu vas pas te moquer en mode non, 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 on n'était pas parti pour ça, hein? Bon. On a la personne qui voit ses sentiments changer, une personne qui comprend que ses sentiments changent, et une personne qui se dit, bon, j'ai besoin de revenir un peu à moi avant de faire du n'importe quoi. C'est la personne qui réalise qu'elle s'est menti à sa propre personne. La personne qui réalise en réalité que peut-être j'ai cru vraiment que j'avais trouvé l'âme sœur. Mais peut-être c'était pas l'âme sœur, hein, cancer, lion et vierge. Hein, tu vois, c'est ce que la personne elle se dit. Peut-être je pensais vraiment, mais peut-être c'était pas ça, puisque plus je guéris et plus je réalise que oh, c'était pas ça. C'est pas ce que je voulais. Hein. Bon, on a une personne guérie, une personne qui aura envie de voir votre situation se transformer, une personne qui aura envie de voir votre situation prendre une tournure totalement, eh ben, différente. Tu verras. Hein. En tout cas, je pense que c'est quelque chose que tu pourras voir, quelque chose que tu pourras ressentir au fil des jours, peut-être au fil des semaines. J'espère que ça pourra t'aider. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je te dis à la prochaine.